Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va voir ensemble, on va découvrir ensemble les tout derniers nés de Blue Dress Sky, à savoir toute la série de Bombardier. Allez, c'est parti. Bon, alors je vais lire les cartes en fait de tous les bombardiers, mais d'abord pour vous parler du contenu des boîtes, je vais vous parler que d'une seule. Et puis le hasard a fait que je vais parler du Soviet Tupolev SB2 Bomber pour plusieurs raisons. Déjà parce que je trouve qu'il a de la gueule, contrairement à Staline qui ne l'aimait pas beaucoup, mais bon, ça c'est tant pis pour lui. Alors, comment ça se passe à l'intérieur d'une boîte comme celle-ci? Déjà, ce qui est très intéressant, c'est que par boîte vous allez avoir trois avions, donc trois bombardiers, quelle que soit la taille du bombardier, parce qu'on verra plus tard en fait que le véhicule de transport soviétique. Qui est en fait un DC-4, un DC-47, je crois, américain, une transformation de ce modèle-là, est beaucoup plus gros que les autres. Le Junger aussi est vraiment très très gros en comparaison de celui-ci et du Bristol anglais. Première remarque que l'on se fait, là, dans ce qu'ils ont sorti, deux versions pour les soviétiques, deux versions pour les allemands et puis qu'une seule version pour les anglais. Je dois avouer que j'ai pas trop compris pourquoi ils n'avaient pas sorti le Mosquito dont ils nous parlent depuis très très longtemps. Bon, ça va peut-être venir d'ici la rentrée. Deuxième chose qui frappe donc dans cette boîte, bon, alors comme à l'accoutumée, hein, il y a la petite étiquette de la personne, du préparateur de commande qui a fait votre boîte. Donc si vous avez quelque chose à revendiquer, vous avez le nom et la signature du gars qui a préparé la boîte. Je trouve ça assez original. Chaque avion, donc il y en a trois par boîte, est conditionné dans un petit sachet comme celui-ci, un petit sachet indépendant. Au maximum, il y a deux grappes. Et à partir du moment où on a pris la main, bah, c'est vrai qu'un avion se monte assez rapidement. Ça peut presque se monter sans point de colle. Hein, moi, pour l'instant, je les ai montés sans aucun point de colle. Et puis, vous pouvez le voir sur les images, ça se passe très très bien. Première remarque extrêmement positive, ils nous ont rajouté ceci. Alors ceci c'est quoi? C'est une petite plaquette de décalcou. Une petite plaquette de décalcou qui est enfin à l'échelle cette fois-ci, c'est bien du 1/200. Et c'est quand même largement ce qu'on leur reprochait dans la boîte de start et dans les premiers escadrons qu'ils nous avaient vendus. Puisque je me permets de vous rappeler qu'ils nous avaient sorti des espèces de tocolants comme ça. Alors bon, la défense de la team de Warlord, c'était de dire bah ouais, c'était pour vous permettre de jouer rapidement et puis de coller ces autocollants là pour jouer rapidement et rapidement décorer vos factions. Seulement par exemple, les ronds japonais sont tellement gros qu'ils sont à la limite de dépasser des ailes. Donc il y a un moment, faut arrêter de se foutre de nous. D'autant plus lorsque quelques semaines après la sortie, ils ont sorti cette petite boîte là qui offre toutes les décalcomanies nécessaires pour pouvoir faire tous les chasseurs. Dans une seule boîte, vous avez toutes les factions. Donc si vous ne jouez pas toutes les factions, bah, vous allez vous retrouver avec des décalcos de factions que vous ne jouez pas, ce que je trouve assez mesquin. Il aurait peut-être fallu faire moins cher ou plus riche et puis faire une boîte par faction. Je pense que ça aurait peut-être mieux marché. Après, moi, je ne suis pas concerné, je joue toutes les factions. Donc, je suis aussi content de pouvoir acheter en une seule boîte tout ce qu'il me faut pour décorer mes avions. Là, pour les bombardiers, vous l'avez compris, ça ne sera pas le cas puisque dans chaque grappe qui correspond à un avion, vous avez les décalcos qui correspondent à cet avion et qui sont cette fois-ci à l'échelle. Donc, un très bon point pour Warlord. Sinon, bah, on va retrouver également, hein, comme d'habitude, les petits clippets, hein, qui sont ici, qui permettent de déterminer les capacités du pilote et puis les ailerons qui permettent de déterminer si le pilote a été actionné ou pas. Vous pouvez également remarquer sur les images que le socle a lui aussi évolué, très simplement parce que avec un socle de base classique comme celui-ci, si je passais en désavantagé ou en avantagé, l'avion était trop gros et en fait ça faisait basculer l'avion soit vers l'arrière, soit vers l'avant, ça manquait de stabilité. Donc ils ont rajouté en fait ce socle-là sur lequel vous venez très naturellement figer votre socle principal. Et puis voilà, ça vous détermine le socle pour les bombardiers. Bon, après, les bombardiers étant eux aussi un petit peu moins maniables, ben, c'est pas bien grave d'avoir un socle un petit peu plus conséquent.
Je vous rappelle que les bombardiers ont une règle spéciale que vous allez retrouver dans le supplément de règles spéciales de Blood Red Sky, notamment à la page 10 en fait de ce supplément des règles avancées. Il y a plusieurs notions, il ne faut pas oublier une chose, c'est que par exemple un bombardier c'est plusieurs moteurs et que pendant très longtemps quand on a joué à Blood Red Sky on s'est dit ben voilà quand on a X avions et c'est X boom plus 1 qui fait que en fait on a perdu. À partir du moment où vous avez plus de boom que d'avions présents, vous avez perdu. Le bombardier va changer la donne puisqu'en fait la vraie règle c'est vous avez X boom pour X moteur, c'est-à-dire qu'un bombardier compte, un bimoteur va compter pour deux avions. Voilà. Et par exemple, le Junger, eh ben, le Junger, lui, il a trois moteurs, donc il compte pour trois avions. Et il n'est détruit que lorsque ces trois moteurs ont été détruits. Donc il faut faire très attention. À chaque fois que vous allez toucher l'avion et qu'il va subir un boom, vous allez perdre un moteur. Cette perte de moteur va vous faire perdre de la vitesse, hein, vous diminuez votre vitesse de 1. Également, vous allez diminuer de 1 votre capacité de tir. Et puis à partir du moment où vous avez détruit tous les moteurs, et bien là, en fait, l'avion est détruit. Donc ça, c'est une des règles assez importantes hein, qu'il faut retenir dans le bombardier. Il y en a d'autres hein, qu'on verra sans doute lors d'une expli partie, à savoir que par exemple, les bombardiers, lorsqu'ils se défendent avec leur tourelle de tir, ça ne fait pas, on additionne pas les capacités du pilote aux capacités de tir. Et vous allez vous rendre compte que du coup, ben, c'est assez, assez impressionnant parce que les capacités de tir sont assez réduites. Par contre, les bombardiers, eux, répondent du tac au tac dès qu'on les attaque, comme s'ils étaient attaqués en frontal, parce que vous allez voir, la plupart d'entre eux ont une capacité de tir à 360 degrés, donc c'est comme s'ils avaient une attaque face à face constamment, dès que vous les prenez pour cible, ils peuvent vous répondre. Donc c'est quand même assez létal comme correspondance entre les assaillants et les défenseurs. Allez, on va commencer donc ben, par cette Tupolev SB2. Donc les caractéristiques hein, du Tupolev SB2, elles sont simples, multi-engine bomber, donc ça on l'a dit, ça veut dire que c'est un avion qui a multi-moteur, donc ça à prendre en compte dans le nombre de booms qu'il faut acquérir pour perdre la partie, et puis aussi dans le fait que l'avion va se dégrader, ne va pas être détruit dès la première touche. On a vulnérable comme caractéristique, donc vulnérable, hein, vous savez, c'est que l'avion en fait est une cible facile, tout du moins sa structure n'est pas une structure qui est très très forte, et donc du coup, ce qui va se passer, c'est que lorsque vous attaquez, vous avez le droit à un dé supplémentaire. Sinon, vous avez rire, touche plus 1, quand vous attaquez en arc frontal avec cet avion, et ben, vous aurez plus 1 à l'attaque. C'est pas trop donné puisque au niveau des caractéristiques, donc en attaque on a un seul dé mais à 360 degrés. En esquive on a 0, mais ça sera le cas de tous les bombardiers. Hein. C'est-à-dire que les bombardiers en esquive, ben il y a guère que le pilote qui est capable de générer de l'esquive. Et en l'occurrence, eh ben, dans l'esquive, dans l'agilité, le problème, c'est qu'on ne peut pas faire intervenir les capacités du pilote. Je trouve ça un petit peu dommage. Par contre, au niveau de la vitesse, ici, on est quand même sur un petit bimoteur. Donc, on a une vitesse de 6 qui correspond à 280 miles. On enchaîne sur le Lizunov, excusez-moi, c'est du russe, j'ai pas pratiqué mon russe depuis longtemps, le Lizunov LI2, qui est en fait une version de l'avion américain, du transporteur américain, le C-47. Hein. D'ailleurs, la carte est recto-verso. Vous avez le Lizunov et vous avez le C-47 derrière. Est-ce qu'ils vont nous sortir un C-47 américain? Je pense, je l'espère. Ce que j'espère surtout, c'est que pour les Américains, ils vont surtout nous sortir un B-25, hein, le Mitchell ou plus gros, on verra, ou un Liberator, par exemple, un B-27. Quoi qu'il en soit, là, on a du recto verso, mais dans la boîte, on n'a pas les sticks pour sticker américain. On n'a que les sticks, on n'a que les décalcos pour le russe. Donc ça, c'est un mauvais point, parce que si on nous donne une carte recto verso, on s'attend à avoir également les sticks pour faire de l'américain, ce qui n'a pas été le cas, c'est pas très cool. Au niveau du trait de l'avion, on n'a que multi-engine, donc ça c'est classique, multi-moteur, donc vous vous reportez aux règles. Au niveau du tir, là aussi on est à 1 360 degrés, parce qu'en fait c'est un avion qui est certes un avion transporteur pour du parachutage, mais qui va permettre, en fait ils ont modifié, ils ont mis une tourelle au-dessus pour se défendre.
maniabilité 0 et vitesse 4, 224 miles. Donc là, on est nettement en dessous de ce que faisait l'autre Tupolev. Le premier et unique avion anglais, ça va être donc le Bristol. Le Bristol, donc le MK4, il a lui aussi entrée multi-engine et rien d'autre. Il a une capacité de tir qui est de 1 à 360 degrés également. J'aurais, moi, aimé qu'il ait un arc frontal, mais en l'occurrence, l'avion n'en avait pas. Il avait une grosse verrière sur l'avant, mais il n'avait pas d'armement en frontal. Il avait juste cette tourelle. Donc, c'est un bombardier léger qui sera certes un peu plus rapide puisqu'il va se déplacer à 5, mais il n'y a pas de tir frontal sur cet appareil. Le Junker, le célèbre Junker, celui qu'on apprécie tous parce qu'on adore les films avec les paras allemands. Le Junker, donc là aussi 360 degrés avec une capacité de tir de 1. Je vous rappelle ce que j'ai dit au début de la vidéo, vous n'ajoutez pas les capacités du pilote, hein, puisqu'on part du principe en fait que c'est pas le pilote qui tire. Je trouve ça pas assez judicieux parce qu'en fait, le tireur était avantagé par le fait que le pilote soit bon. Si le pilote était capable de positionner l'avion dans certaines positions, dans certaines situations, le tireur n'en était que plus avantagé. Donc je trouve que de ne pas avoir permis d'ajouter la valeur du pilote au tireur, c'est une erreur pour moi. Agilité 0 aussi, et puis là, ben, vitesse 3, hein, un avion quand même relativement lent. Vous remarquerez que pour le LI2 et donc le Junker, les avions sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grands. C'est vraiment notable. On a vraiment trois petits bombardiers légers et deux portes transporteurs de troupes, transporteurs de paras qui sont beaucoup plus gros. Vous remarquerez aussi dans la petite image que je vous présente là que vous avez tout à fait la possibilité de le configurer avec les roues sorties ou avec les roues rentrées. Les roues sorties offrant quand même la capacité de poser les avions en sol. Chercher un petit scénar où vous iriez bombarder une base où les bombardiers seraient au sol, ça peut être sympa, ça peut être sympa à faire. On va terminer par le Junker JU-88, donc celui-ci c'était le bombardier classique de la Seconde Guerre mondiale pour la Luftwaffe, hein. C'est un bombardier qui a été extrêmement actif et surtout extrêmement opérationnel, hein, qui a vraiment donné de très bons résultats. Multi-engine au niveau des traits, là aussi il a rear one, c'est-à-dire que vous allez rajouter un dé lorsque vous attaquez avec votre arc frontal. Donc ça c'est intéressant. Sinon au niveau des capacités, il a 360 degrés pour le tir au niveau de la défense. Et là, il est le premier à l'avoir, il a une agilité de 1 pour se défendre. Donc ça, c'est vraiment la signification que cet avion était quand même un peu plus maniable que les autres. Et on a une vitesse de 5. Voilà très rapidement ce qu'il en ressort de cette série de boîtes de bombardiers. Qu'est-ce que moi j'en pense? Ben, dans un premier temps, ce que j'aime beaucoup, c'est le fait que dans une boîte, on ait quand même trois avions qui sont assez conséquents. Hein. Ils auraient pu sortir des boîtes avec qu'un seul bombardier. Là, ils nous en mettent trois. Donc, je trouve que le contenu de la boîte est vraiment très riche. Ce que j'aime beaucoup, ben, c'est évidemment les décalcomanies qui sont enfin à la bonne échelle et qui vont vous permettre de sérigraphier vos avions proprement après les avoir bien peints. On a quand même toute une partie en verre, enfin en plastique, plastique transparent, qui permet de faire toute la partie cockpit et hublot. Donc ça, c'est aussi assez remarquable. N'oubliez pas de, à minima, se coucher avant de placer ces verrières-là, parce que sinon, bah, vous allez les maraver. Ce que j'aime bien, c'est la possibilité également de sortir les trains et d'avoir plusieurs configurations, hein, deux configurations possibles avec les trains sortis ou pas, ce qui peut éventuellement vous permettre de faire un scénario où on attaquerait des bombardiers au sol. Voilà. Ce qui est très intéressant et ce qui est clairement démontré en fait dans cette sortie, c'est qu'on s'oriente de plus en plus vers des scénarios. Et c'est d'ailleurs là que le bât blesse énormément dans cette boîte, c'est que nous n'avons que des cartes d'avion. On va pas retrouver ni de doctrine, ni de théâtre dans ces boîtes. Je trouve ça normal, c'est le petit point sombre. Je pense que dans ces boîtes-là, ça aurait mérité de nous offrir de nouvelles doctrines, de nous offrir de nouveaux traits à rajouter à ce qu'on a déjà et ce qu'on a de façon extrêmement démultipliée dans les autres boîtes.
parce que finalement, bien sûr, chaque camp nous a offert des théâtres et des doctrines, mais on a plusieurs fois la même, c'est sympa pour constituer son deck, mais on aurait aimé avoir un petit peu de nouveauté avec ces bombardiers, et là, en l'occurrence, à part notre imagination dans la création de scénarios, on n'a rien qui est proposé. Donc on est vraiment en dents de scie. On a du bon parce qu'ils se sont vraiment corrigés sur toutes les erreurs qu'ils avaient commises au niveau des décalcos. La quantité y est, la qualité y est également. Les avions sont vraiment de très très bonne facture. Là, je vous les présente bruts, sortis de boîte, mais lorsqu'ils seront peints, ils seront encore plus présentables. L'échelle est respectée, est très agréable à jouer. Et cette idée de socle un peu plus massif qui permet de vraiment rendre stable l'avion, c'est également assez bienvenu. Voilà ce qu'on pouvait dire. N'oubliez pas de lire les règles spéciales qui sont liées aux bombardiers. Je pense que nous, on y reviendra lorsqu'on fera une vidéo. Je vais faire une vidéo de présentation, une seconde vidéo de présentation du jeu en y incorporant les traits d'avion, les théâtres et les doctrines. Et puis, je ferai sans aucun doute une mini troisième vidéo où on intégrera un scénario et où on va intégrer ces bombardiers. En attendant, il me reste à vous souhaiter de bons jeux. Et puis surtout de bons jets, parce qu'il n'y a que ça pour poutrer le type d'en face. Allez, à ciao, bye bye. Dis-leur de s'abonner, jeune Padawan. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, abonne-toi, jeune Padawan. Mais non, c'est toi le Padawan. C'est toi le Padawan. Moi, je fais le con, hein, mais abonne-toi.